Petit rappel des découvertes sur le site de Las Cravieros. C'est un site qui a été trouvé dans les 70 par une sœur dominicaine de Fangeau, la sœur Lamache, qui va venir pendant 30 ans ramasser des tessons à la surface du site et qui va ramasser à peu près 20 000 tessons. C'est une collection considérable. Malheureusement, ces découvertes vont rester assez secrètes pour les chercheurs et il faut attendre en fait 2011, le temps que la collection de la sœur Lamache arrive au dépôt archéologique de Bram, pour qu'on ait vraiment conscience de l'ampleur de sa collecte et de ses découvertes. Et on va se rendre compte que c'est une production très importante pour l'artisanat potier et tuilier de tout le sud de la France et même au-delà, puisque le répertoire décoratif est très important. On a plus de 120 marques différentes qui ont été utilisées pour décorer les tessons, alors qu'habituellement, il n'y a qu'une dizaine ou une trentaine de marques différentes qui étaient recensées. Donc on a quatre fois plus. On est également à proximité de deux voies de commerce importantes. Il y a l'argile sur place. En fait, ça correspond à la terre blanche qu'on voit en haut. C'est une argile sableuse. Ils avaient également accès à beaucoup d'eau, parce qu'en fait, on est à la croisée de deux synclinaux. Donc en fait, les deux collines qui sont derrière vous, en fait, convergent et se rejoignent à peu près au niveau de la cabane. Par ailleurs, grâce au travail de Daniel Bonnour, on a pu bien cerner toute cette problématique et repérer également une ligne de faille qui vient des Pyrénées et qui traverse tout le plateau du Roucatel qui est derrière et qui vient ici. On soupçonne également dans le secteur une forêt assez conséquente. Le site à proprement parler, il fait 1 hectare. C'est une création ex nihilo de la fin du 4e siècle, donc vers 375 après Jésus-Christ, et qui perdure jusqu'à 525. Pour être sûr de notre coup, quand on a commencé nos travaux en 2017, on a fait intervenir des géophysiciens pour repérer s'il y avait des anomalies dans le sol, c'est-à-dire des vestiges archéologiques. Ils ont cartographié toute la partie centrale du champ. La zone qui avait été repérée en avion par Michel Passelac, en fait, ça correspond à la zone qui se trouve juste au-dessus et qui apparaît bien en géophysique ici. Il y avait une deuxième zone là qui correspond à la partie tout en haut de la fouille actuelle. Il faut exclure du raisonnement et au niveau des vestiges archéologiques en fait toute la ligne d'anomalies qui sont en bas de la carte qui correspondent à des ancrages de vignes. C'est des briques entourées de fils de fer qui servaient à tendre l'étendeur sur lesquelles la vigne se développait. Parce qu'en fait ici, avant qu'il y ait des céréales, il y avait une vigne qui a duré une petite dizaine d'années visiblement. C'est une carrière d'argile qui fait 108 mètres carrés, qui est profonde de 50 cm à 2,40 m de profondeur. Par ailleurs, à chaque fois qu'ils ont fait un trou dans le terrain, donc par exemple pour construire les fours ici en bas ou les différents fossés, ils ont aussi extrait de l'argile. Donc on sait qu'il y a d'autres trous ailleurs qui ont été aussi exploités. Donc c'est vraiment un minima quand je vous dis qu'il y a eu plus d'un million de vases de 50 centilitres qui ont été fabriqués ici. Une fois que l'argile était extraite, ils ne pouvaient pas l'utiliser telle qu'elle. Ils étaient obligés de la préparer un petit peu. Ils vont utiliser des fossés, de l'évigation. En sommet de la structure, ils vont faire une fosse, ils vont mélanger l'argile avec de l'eau, ça va faire une boue liquide. Très rapidement, les éléments grossiers vont tomber au fond du fossé pour pouvoir bien l'utiliser. Ils vont la mettre dans des fosses. Cette organisation du travail est représentée notamment sur cette enluminure du 6e siècle, l'enluminure du Pentateuque d'Abrochman. On voit ici l'artisan qui travaille son argile avec un croc. Pour la rendre bien malléable, il utilise l'eau qu'il y a dans cet amphore. Ensuite, il y a deux de ses collègues qui viennent la récupérer, qui la transportent sur un brancard, qui la portent à un quatrième, qui va mouler des briques. Les fours, on s'attendait à en avoir 7 au regard des données en géophysique. On a 12 fours de potiers ici, plus un 13e et un 14e par là-bas. L'espace dans lequel se tient l'artisan, c'est ce qu'on appelle la fosse de travail. Donc c'est à partir de là que l'artisan va charger le four en combustible. Donc il va prendre son combustible, il va balancer celui-ci dans l'ouverture du four, ce qu'on appelle l'alandier. Donc c'est un petit conduit qui va de mes pieds jusqu'à ici. Donc qui permet vraiment d'alimenter la structure en énergie. Ensuite, ça débouche ce petit conduit sur un espace beaucoup plus large qu'on appelle la chambre de chauffe. C'est là où en fait les gaz et les flammes vont vraiment prendre de l'ampleur, où ça va chauffer très très fort. C'est tellement fort que c'est pas bon pour les poteries. Les artisans vont installer une grille au-dessus de cet espace pour canaliser et un peu atténuer la chaleur des flammes. C'est ce qu'on appelle la sole. Une sole, c'est une grille qui fait 30 à 40 cm d'épaisseur qui se retrouvait là. Sur cette grille, les artisans vont poser les poteries à cuire dans l'espace qu'on appelle le laboratoire. On a vu des détails assez intéressants qui prouvent
que l'artisan s'est glissé à l'intérieur. L'artisan a fait créé un espace qui va servir d'aire de travail, et ensuite il va faire un tunnel pour aménager la landier et la chambre de chauffe. En fait, il avait les pieds dans la landier, et en fait il s'est contorsionné comme ça pour donner des coups à la sol. Et quand il s'est redressé, il y a l'empreinte de son épaule ici. Dans un premier temps, il y a un four qui se trouve là. Il va fonctionner pendant un temps indéterminé. Ils vont casser la sol et le laboratoire, transformer cet espace en aire de travail et faire le four qui se trouve juste devant vous. Et c'est quelque chose qui est systématique au sein des fours de la Scraviros, parce qu'ils fonctionnent tous par paire. Donc c'est vraiment quelque chose de très singulier et qui n'était pas documenté pour l'entier tardive. Et maintenant, grâce aux découvertes de la Scraviros, on peut être certain que c'est quelque chose de caractéristique et qui est avéré pour l'entier tardive. Donc une fois que les cuissons étaient réalisées, les artisans triaient les vases qui étaient réussis de ceux qui ne l'étaient pas. Et ils jetaient dans les structures abandonnées, dans les fours plus anciens ou dans la carrière d'argile qui n'est plus utilisée, leur rejet. Alors, on a remarqué que dans certains fours, les artisans avaient fait un geste de fermeture. Ils avaient placé des vases entiers, mais présentant quelques défauts, des déformations, des petits éclats dans les fours. On a trouvé aussi des vases presque entiers au fond de chaque fosse qui constitue la glaisière, parce que c'était sans doute des zones boueuses. Ici se mêlent des rejets potiers et liés à la forge et aux préparations culinaires. Ici, vous le verrez tout à l'heure quand vous ferez le tour, c'est une grande fosse qui est remplie de charbon et d'argile, qui a livré des scories. Donc ce serait peut-être lié à un artisanat de forge. Ça reste encore à prouver, on est vraiment qu'au tout début de l'étude. Ensuite, là, on a différents négatifs de trous de poteaux. Ici, un petit foyer. C'est vraiment une tache rouge avec plein de charbon et des pierres qui ont chauffé, qui ont rougi. Ensuite, on arrive dans un espace qu'on cerne un peu mieux puisqu'on l'étudie depuis 2019. C'est une zone d'activité mixte où il y a de l'activité potière, la forge et la préparation culinaire. C'est un four rond, ovoïde. Le combustible, ça va chauffer très très fort, ça va rubéfier et solidifier les parois et ça va garder la chaleur. Et ensuite, pour cuire leur nourriture, ils vont retirer une très grande partie de ces braises et de ces charbons. Derrière, c'est pour ça qu'il y a plein de charbon partout et des graines carbonisées, et ils vont ensuite mettre leur plat à cuire. On a trouvé plusieurs milliers de graines de blé et d'orge dans les niveaux ici, qui sont sous mes pieds. Par ailleurs, devant là, il y a une meule en pierre qui a été utilisée pour fermer ou matérialiser l'entrée du four culinaire ou domestique. Dans la zone potière et tuilière, c'est du chêne vert et du houx. Ici, c'est du charbon de bois ou des grosses bûches qui ont été utilisées. Alors, on a des foyers culinaires type feu de camp, donc des pierres, des amas de pierres avec au centre des bûches ou des bûchettes. Alors là, sous mes pieds, il y avait une fosse qui m'arrivait à peu près à là. Là, c'est vraiment le niveau de sol sur lequel ils circulaient les artisans. Donc l'artisan se tenait dedans, tenait devant lui sa barre d'outils qui chauffait, puis ensuite, il venait la taper sur une enclume qui m'intéresse ici par les quelques pierres qui restent. On restitue une enclume ici puisqu'on a trouvé plein d'outils en fer alors que là-bas il n'y en a pas du tout. On a aussi trouvé des scories, de nombreuses battitures. Et donc en fonction de la forme des battitures, on peut déterminer quel type d'outil a été réalisé et la température à laquelle elles ont été frappées. Donc là vous allez voir le four le mieux conservé et avec une partie des vases qu'on a trouvé dedans et que Victor s'est amusé à remonter. Une nouveauté de l'an dernier qu'on a trouvé, des tubes à voûte. En fait, ça permet de faire des encorbellements. C'est une technique qui est inventée en Afrique du Nord et qui est bien documentée en Espagne et en Italie et rarement en Gaule. C'est caractéristique de l'entier tardif dans les basiliques ou dans des thermes. Et donc, c'est très rarement connu et on pensait qu'à chaque fois, c'était quelque chose qui venait d'Afrique. On a plusieurs morceaux et fragments. Ça atteste que ça a été fabriqué sur place. Ça, c'est des bobines d'hypocauste quand ils font des thermes. Ils construisent leur gros mur en pierre, ils mettent ça contre le mur, et puis après ils font une cloison, et ça permet un chauffage par les murs. Nous, on suppose également que ça avait une autre fonction, et une fonction artisanale, puisque ce type d'objet, c'est des bobines d'enfournement. En fait, ça permet de caler aussi les vases. C'est des choses qui sont bien connues aux Hauts-Empires quand ils fabriquent dans la région des Sigillés.
Alors ensuite, cette technique disparaît au niveau régional en même temps que les ateliers de CIGT ferme. On en connaît beaucoup vers le zoo et l'agrofaisanque dans le centre de la France, puis après dans les ateliers au niveau de l'Argonne, qui vont faire fabriquer des sigillés du 1er siècle jusqu'au 4e, 5e siècle après. Mais au niveau régional, ce n'était pas connu. Donc là, ça a permis d'attester cette pratique artisanale au sein des fours. Donc ça, c'est un peson. Soit c'est des objets faits exprès pour ça, soit c'est des briques retaillées, comme ici. Concernant les productions céramiques, elles peuvent être classées en deux groupes. Donc il y a la vaisselle de table et de service, dans laquelle ils vont manger, et la vaisselle de préparation culinaire et de cuisson et de stockage, qui ont des pâtes plus grossières et qui peuvent aller sur le feu. La vaisselle de table et de service, c'est une céramique qui est une pâte très très fine, qui est peu altérée. Souvent on dit que c'est une pâte savonneuse, elle est très lisse au toucher. Vous entendez, ça crispe pas sous mes doigts. Au niveau régional, dans le 3e siècle, les céramiques de service, elles sont décorées uniquement par un revêtement de surface, un engobe. En fait, ils vont fabriquer leur poterie et ensuite ils vont la plonger dans une solution argileuse qui va créer cette différence de revêtement à la cuisson. Pour avoir des céramiques décorées, ils sont obligés d'acheter des productions qui sont réalisées dans le centre de la France ou des sigillés qui viennent d'Afrique. Comme les ateliers gaulois de sigillés décorés ferment leurs portes au 3e siècle, ils n'ont plus rien au niveau de vaisselle décorée. Et alors, il y a une technique qui va apparaître dans le courant du 4e siècle, fin du 4e siècle, c'est ce qu'on appelle les dérivés de sigillés paléochrétiennes. C'est des céramiques engobées, mais avant l'engobe, en fait, les artisans les ont poinçonnées. Donc c'est fait avec un tampon en bois, en os, ou en argile crue ou cuite. C'est juste une évolution des décors, et là c'est la forme typique de l'atelier, avec une forme de palmette, des gaudrons faits au poisson sur la lèvre, et un rosseau pour mettre un couvercle. Et cette forme est vraiment typique de l'atelier, et c'est aussi pour ça qu'on sait que l'atelier a diffusé assez loin, sur un rayon de 125-150 km, puisque ce bol-là n'est avéré qu'ici, et il est associé à chaque fois au motif de palme. Et on a retrouvé ce type de bol à Toulouse, Béziers et Perpignan. Ensuite, on a différentes autres formes décorées. C'est toujours des variantes. Ah oui. Je vais vous faire passer un dernier vase qui est très fin. Donc là, il faut vraiment le prendre à deux mains. Et la paroi est très fine. Des fois, on peut sentir son doigt en travers. Voilà. Les motifs de Fangeau sont des motifs géométriques. Et on a aussi des motifs figuratifs. Nous, on a plutôt des scènes guerrières. On a des lances et même un guerrier qui est représenté. Mais le guerrier est connu qu'en un seul exemplaire. Aussi, on a des grands plateaux, en fait, avec une association. Ça, c'est la lèvre et ça, c'est le centre, à peu près. Là, c'est le fameux motif guerrier qui représente un personnage casqué. Donc, il a une pointe sur la tête qui représente un casque et c'est un guerrier nu. Ça renvoie au mythe des divinités guerrières qu'on trouve sur des monnaies. Et donc, ce poinçon-là est connu qu'en un seul exemplaire. Donc, c'est aussi pour ça que je vous dis que si vous trouvez un poinçon, un tesson avec un motif, faut nous le montrer, pas le garder pour vous, parce qu'en fait, ça permet de bien connaître l'atelier et même son aire de diffusion, tellement ils sont atypiques. Cette vaisselle engobée et décorée au poinçon montre un très grand savoir-faire des artisans, puisque c'est des très grands plats. Il y en a très peu qui sont fabriqués dans les autres ateliers. Et il y a ces fameuses ouvertures rectangulaires, plats rectangulaires, ou bol rectangulaire qui renvoie vraiment à la vaisselle en métal, et c'est vraiment assez rare au Haut Empire, donc entre 0 et 300, et encore plus rare durant l'Antiquité tardive, donc la période que je vous présente ici. Merci de votre attention. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Voilà.